Peux-tu nous dire où en est ta réflexion par rapport à ce cri d'équipe? Ma réflexion, je ne vois pas ce que tu veux dire. Vous avez trouvé? Ben oui. Et c'est quoi? Ben, il n'y a pas de tapette chez les Razmoquettes. Mais non, c'est pas des tapettes. C'est quoi alors? Il n'y a pas de moquettes chez les Razmoquettes. Voilà. Toi, tu peux le faire un peu là? Allez, Michel. Pourquoi moi? Parce que t'es... Ben, il n'y a pas de moviette chez les Razmoquettes. Quel entrain, Michel. Non, mais faut pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Polo. Rien de bon pour le moment. Mais c'est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Mais notre nom et notre cri. Et quel est-il? De quoi? Bah, votre nom et votre cri. Ma couleur floue. Et le cri? Mais j'ai mal pas toute seule. Allez, appelle-le. Alors ici, vous avez trouvé quelque chose de correct? Ouais. C'est quoi? Tout content. Et on est puissant. On est les tout corps. Tout content. Ouais, tout corps, tout content. Le nom, c'est quoi? Les tout corps, tout content. Et le cri, c'est? On est puissant. Tout corps, tout content. On est puissant. Ok. Mais c'est quoi l'idée? Alors ici, on en est où? On a trouvé. On le fait, allez. Et quel est-il le nom? Mini Dimi Crush. Et vous voulez me faire une petite démonstration du cri? On essaye de passer au bout. 1, 2, 3. Mini Dimi Crush. Hoche. Ok, c'est bon. Maintenant, plus de punch, les gars. Plus de punch. Cet échange de boîtes? Non. S'il n'y arrive pas, il faut l'avoir. C'est bon, je vais y aller. Il donne 4 personnes, il a 3-4 personnes pour connaître 3. 2. Bah, on fait un peu, mais il doit en tout, on n'en marche pas. On ne parle pas. Moi, c'est moi, Odile. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre. Non. Non. Mais il a quand même notre toile. Michel.
Il y a quelqu'un devant toi. Gauche. Lionel. Vous avez la mission de déguiser Gaston. Gaston va venir s'asseoir ici. Et vous avez
Voilà. Ah, tu veux dire après, elle est meilleure. Ah, tu veux bien pour tenir le truc? Dernière porte, c'est ta dernière porte, donne tout ce que t'as. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On peut l'applaudir. Thibaut s'en sort plutôt bien. Alors que je n'entends absolument rien comme encouragement. Allez, bon, il va chier. On applaudit les 10 pompes. Et oui, à chacun sa nuque, 10 pompages. Ça touche. Oh, alors que nous avons oublié la momie. Mais là, il y a débat. Il y a débat. Alors qu'ils doivent compter toutes les perles à deux, la moindre erreur se paye cash. Épreuve qui demande pas mal de concentration. Et le sablier s'écoule. Ils sont sous pression, le sablier de 2 minutes est déjà plus rempli dans sa partie inférieure. Ils n'y arriveront sans doute pas. Ils sont trop lents. Et Corentin perd des petites perles. Aïe, aïe, aïe. Donc, qui est perturbé, regardez le doute. Il vous reste 30, quelques secondes pour vous mettre d'accord sur un résultat final. 187. 127. Ton dernier mot. C'est pile poil 185 perles. Allez. On peut les applaudir quand même, les gars. Ils n'ont pas craqué malgré une pression insoutenable. Les gars, laissez les boîtes par terre, elles ne tomberont pas plus bas. Tandis que Laurine a exactement 1 minute 30 pour faire un bisou à tous les membres de Colorado. Elle ne se débrouille pas mal du tout pour l'instant. Comme il l'aide pas ou quoi. Non, Lucas, c'est pas juste un autre. Et elle peut y arriver. Elle peut le faire en marchant. Allongée. Elle ne veut pas embrasser Michel. Elle ne veut pas embrasser Michel. Et ta soeur, le dernier. Le meilleur pour la fin. Tandis que Mathis a comme épreuve d'apprendre 5 positions de yoga. Il peut les inventer. Et là, c'est la pose du colibri verdoyant. Il relaxe à les faciles. Ici, nous avons la fameuse fleur de roseau qui sert à aérer les aisselles. Merci Mathis. Mathis. Allez, c'est parti. Uno, due, tre, quattro,
5, 6. Bravo. Plutôt Gaël alias Gazou a pour mission de réaliser un nœud avec ses pieds et uniquement avec ses pieds. Ici, nous avons des gens fantastiques, l'émission incroyable talent, on n'a qu'à bien se tenir et laisser. Ouais, c'est bon, acceptez les gars, bravo. Et alors, au bout, vous devez reconnaître votre copain qui va arriver. Pas de malheur. Ok, donc on en fait le drag comme ça. Là. On a fait les trous d'aération comme tout est pour déjà. On lui a fait les grosses dents. Et on lui a mis son pantalon brun avec sa cravate rouge. J'ai un groupe déchaîné au canal gratuit. J'ai un groupe déchaîné, déchaîné. Il ne s'arrête plus, il ne s'arrête plus. Comment ça se passe? Très bien, très bien. Qui ont très bien pris notre action. On est tombé sur un petit groupe de Wallons qui ont très bien pris notre action. Ouais, bah encore qui vient comme ça. Ouais.
ne pas les agresser. Attention à ta pancarte, les gars. La team S est géniale. Si tout le monde faisait ça un peu plus, la vie serait un peu plus jolie. Hein. Tandis que ceci n'est pas une épreuve, et le groupe Ludo Bragard a improvisé une séquence chant, pardon, avec chaussures, ont ils récolté beaucoup de sous. Et non, la chaussure est désespérément vide. Tandis que l'équipe cherche un maximum de passes à l'âge. Allez là, allez. Toujours aucune passe à l'âge trouvée. La tactique du balayage pour Lucia. On a la tactique du terrier pour Laurent. La tactique du n'importe quoi pour Lucas. Le chien renifleur pour Lionel Lequeux. Le footballeur sans ballon. Lionel Lequeux, une passe à l'âge. Dans chaque stand, il va y avoir une affiche avec les marchandises et le prix d'achat et de vente. S'il fait marquer achat et vente, c'est chaque fois en fonction du stand. Donc, s'il fait mis achat, pince à linge, 10 et vente, 20, c'est le stand qui achète à 10 et qui vend à 20. C'est pas en fonction de vous. Ça va? S'il fait mis achat et vente, c'est en fonction du stand. Donc, il y a des objets qui valent plus de valeur que d'autres, comme les CD. Les sachets de sucre et de farine qui font penser à de la coke, ça va? Ça, il y a des trucs plus durs à cacher que d'autres, ça va? Les petits objets comme les ballons. Deux secondes. Alors que Adrien Rar, alias Mexicain, a chopé le dealer Van Werst, redoutable dealer. On le sonne quelque peu fatigué par cette traque. Une traque qui dure depuis déjà plus de 2 heures. Les dealers grouillent dans les dunes de Bréden.
rien ne va plus. Alors, comment est-ce que ça se passe, ce show du business? Très très bien, malgré quelques pertes de lettres. Et pour vous? Bah... Qu'est-ce que ça s'est passé? Bien, très bien. On s'est tout fait voler, c'est à cause de lui. Explique-moi ce qui s'est passé. On est bah, j'avais tout enterré. Je les trouvais plus. Donc j'ai pris trop de temps pour les retrouver et Adrien et Arnaud m'ont retrouvé en fait. Et donc pour toi? On a expliqué, on a mis l'euro, on a fait des allers-retours ici. Vous avez acheté quoi? De la co. Enfin, on a commencé par le passage, on a fait un business. Puis après, on a la co qui peut laisser. Ok. On monte en tout ça. Alors, comment ça s'est passé pour toi, le jeu du business? Oh, c'était cool, mais... Pas assez long. Ouais, pas assez long, et on n'a pas trouvé directement la bonne équipe, donc... Et pour toi? Bah, c'était cool, mais pas assez long. On n'a pas eu le temps de... On s'est pas mis à fond directement dans le jeu, donc... à la fin, ça se termine trop vite, et... Ce serait cool de le refaire, quoi. Et pareil, pour toi? Pareil. Et combien d'argent as-tu récolté? Bah là, on a 625, mais c'est peu. Ah, ça. Mais après 625, on achète 2 CD à 300, on les revend, on se fait 1000. Puis on va acheter Blade de Coke, on la revend, on se fait 200. Si on aurait eu plus de temps, bah. Si on avait eu plus de temps. Nous avons mis de la farine à la place de la cocaïne, bien entendu, chers parents. Michel, quelle tactique as-tu employée, toi? Ben, au début, on s'est mis avec Pierre et Florent, et. Après, on a décidé de se mettre avec Thibaut et Jérôme. Puis. Continue. Et puis on a avancé et mais on aurait pu à partir de maintenant aller super loin. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pour vous le jeu du business? Très bien, sauf que j'ai mal au ventre. Ça m'énerve, il m'en fait. Je peux plus t'aider. On est venu acheter ça, c'est l'air. Comment ça se passe pour vous le jeu du business? 1300 euros. Ah oui, vous êtes les fortunés de la partie. Ouais, je me suis acheté un garde du corps en plus. Carrément? Ouais. J'ai acheté 10 euros. J'ai acheté 300 euros. T'as acheté le garde du corps 300 euros? Ouais. Ouais, ça va pas être. Et j'allais chercher le cerceau dès que j'aurais le cerceau. Et il est où, ouais, le cerceau? Il est là-bas. On compte aller chercher. Il y a plus de CD. Ouais, ici il y a plus de CD. Comment tu fais? Yeah.
C'est bon, stop. Attends, mais maintenant, ça tourne ou ça tourne? Et là, mon frère, avant tout, j'aime ça. Le lancer des gobelets. Et tu es en forme. Et... ouh, le jump. Solo ! On est tous dead ! Solo ! Son premier des jeux d'eau. À la première place des jeux d'eau. Avec 21 points, ils ont écrasé la concurrence. Ils remportent 100 points. Leur équipe, ce sont les Ralmoquets. Il semblerait qu'un objet solide soit caché. Arnaud, peut-il nous en dire plus peut-être? Ils doivent dès lors retrouver la mascotte de la première veillée qui n'est autre que Bob l'éponge, créé par Samy et Louis. C'est parti, on y va. Louis, as-tu trouvé quelque chose? Non, non, je... Laurie Fortum, qu'est-ce que vous avez trouvé? Pouvez-vous m'expliquer ce que vous avez trouvé? Et où était-elle? Félicitations. Alors ici, vous avez du pic, du cœur, du trèfle, du carreau. Misez sur une des deux couleurs. Une des quatre couleurs. Je retourne. Si c'est du cœur, le cœur avance. Si c'est du trèfle, etc. N'écoute, si jamais c'est un de vous deux qui gagne, qui gagnait, vous pouvez gagner que ce qu'il y a sur le bas droite ici. Adrien et moi, si jamais on gagne ces deux tables. Et... là, c'est un jeu de triche. Dans tout le monde. Ça se cher. Et là, ah non, moi, j'ai perdu un mal. C'est ça qui est tout. Tu dis j'arrête aussi. Parce que toi, il faut bluffer par rapport à moi. Tu dis t'arrêtes, j'arrête. Tu dis j'arrête. Faut pas qu'il soit. Faut pas savoir que t'as. Là où je me suis fait ruiner tout mon argent,
fait. Le jeu de la roulette. T'es nul à ça. Hein. Elle t'a filmé ? Ah ouais, je t'ai filmé. C'est parti. L'argent a une odeur, Lucas Lambeau. Renifle-moi ça. C'est pour moi, Lucas. C'est pour moi. Voilà, je me suis refait 35. Ah, mais non, j'ai 40. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Je perds tout mon fric, tiens. C'est bien. Moi, c'est trop bien. Adrien Vadouès, raconte-nous notre terrible. Allez, vas-y. C'est rien quand même. En tant que caméraman. Mais allez. Je vais donner 4 billets de sortir. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus intéressant d'attendre de voir ce que les autres font. Juliette qui tente la mise, Juliette va-t-elle réussir? Et c'est le comble, Juliette réussit! Ouais, elle gagne le 100 euros de Louis, c'est maintenant! Vive l'écologie! Vive l'écologie! Que pensez-vous de notre palette aujourd'hui? Le mot? Vous aurez donc. Faites la maintenant, vous avez une minute pour former des croix. Voilà, c'est fait. C'est nous. On nous va prendre. Léa, elle est trop belle, Léa. Ne la regarde pas comme ça, sinon je t'envoie un virus. Hein. Fais attention. Thank you.
selon cet esprit. De la tour principale. Midi gauche, midi gauche, hache, 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 midi gauche, midi gauche, hache, hache, hache. Y'a pas de mauviette, tu l'es. Grâce mon gueule. Y'a pas de mauviette, tu l'es. Grâce mon gueule. Tandis qu'ici, nous avons la tour Saint-Razmoquette. Le mont Saint-Razmoquette. Le mont Saint-Razmoquette. Excusez-moi pour la méprise, Mathis. Nous avons les color ploufs, très appliqués concernant le pont-levis et également les douves. Le souci du détail chez Adrien Van Wert. On apprécie. Encore une motivation exacerbée de tous les participants. C'est ça qu'on veut voir. La première église a été construite ici et les moines et les frères ont décidé de continuer leur œuvre et ont construit différentes mosquées. Saint-Razmoquette a été construit pour perpétuer le mont Saint-Michel. Et là, on voit les jardins. Et à côté, le puits gigantesque pour alimenter en eau tous les moines qui font un fromage fabuleux et une bière succulente. Parce que les Chinois avaient refusé de marchander avec eux. Et donc,
Ceci était le début de la muraille de Chine. C'était fait en terre cuite et on peut, ce sont des sortes de meurtrières, d'où les archers chinois qui avaient une très longue distance de tir pouvaient attaquer jusqu'à derrière les remparts. Merci. Et là, tu fais une arène de gladiateurs. Bah non, mais pas au Moyen-Âge. Tu peux faire des mix temporels. Ouais, ouais. Y a pas de souci. Voilà, notre château, il a traversé les époques. En réalité, il a été fondé pendant l'Antiquité, à l'époque des Romains et tout ça. Il est trop laid. S'il te plaît. Il est trop laid. T'as vu les autres? Ici, c'est le château. Ah oui, nous pouvons apercevoir une représentation du visage du roi. Ah oh oui, le 4 à la suite est envisageable. Le premier pour les Rasmo. Et non, et non, il échoue. Alors que nous avons le premier 4 sur 4 réalisé par Thibaut. Et quel moment intense pour l'équipe des Rennes Moquettes qui vont peut-être profiter de ce 4 pour prendre l'avance dans cette compétition. Tandis que Michel Collin entre en lice. Michel Collin, joueur ô combien atypique, est toujours en lice pour 4 à la suite. Michel Collin va-t-il réussir un 4 à la suite et se jeter dans la mer? Il est bien parti! Ouais! Et les Rennes Moquettes qui s'envolent! J'ai pas voulu faire trop fort pour qu'ils partent pas en couille n'importe où, mais. Je crois que je l'ai fait trop bien. Je l'ai fait trop bien. C'est un truc en chaîne, c'est rien. Le bois est renversé et. Il améliore la vitesse, de la pénétration dans l'air, ce qui améliore la vitesse. Oh, elle va dans l'eau, hein. Le 4 à la suite entraîne Léa dans la mer du Nord. Superbe team des Rad Moquettes, soudé et ô combien performant. Oh oui! Je sais même pas si ça filme en fait. Ici ça filme. Oh, on va se filmer. Je peux mettre du main. C'était raté. Il a tout fou, non Noël, non Noël tout fou.
Regarde le Mexicain, regarde le Mexicain. Il est tout parti, Mexicain. C'est un guichet. Il y a une heure précise. Le but de l'agent secrète chez vous va être de découvrir qui est l'agence, l'indique de chez nous. Pour ça, il passe des DJI et des Marines. Casque bleu, il doit qu'il reste avec le groupe ou il va avec les agents. Oh, avec les agents, c'est logique. Okay. Facilement, c'est sûr. Alors nous sommes en direct du jeu de la valise, l'équipe d'être tout quand a réalisé un truc. C'est bon. C'est bon. Ouvre les deux. Et qu'on est heureux les tout quand. Si c'est que votre équipe a remporté la victoire, nous vous en félicitons. Vous venez de gagner une belle masse de points qui vous aidera, nous sommes convaincus, à patienter la compétition ou à conforter votre avance. Vous avez également permis à tout Colorado d'arriver à la soirée vive de ce soir. Veuillez attendre le reste de l'équipe sur les bancs. Merci à vous. Et vous avez aimé le jeu de la valise, les gars? Ouais. Alors Aurélie, pas trop déçue d'avoir perdu ce jeu? Bah tu l'as quand même perdu. On sort toujours vainqueur d'un jeu d'un coup, tant qu'on se donne. C'est bien. Par contre, oui, c'est pas donné, donc il y a rien de plus. Ouais, sauf que Pierre ouvrira après au niveau de la course, je crois que oui. Non, je me suis jeté dans un buisson deux fois. Oui, non, t'as attrapé deux fois, tu peux le dire. On applaudit les gars. Et oui, donc, dès qu'il y a une insanité, il y a pompage et des encouragements de rigueur. Oh, God.
C'est ce qu'il avance ou ce qu'il fait. Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? My loudest tones that I
I cry.